Hey up les mecs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui les potes, on se retrouve du coup pour tester le circuit d'Anaheim de 2020. Donc au jour où je le fais, la course n'est pas encore passée, voilà. Mais le circuit est déjà fait. J'ai pris un petit peu de retard, voilà. En gros, normalement je devais faire Saint-Louis. Mais du coup, je me suis dit, voilà, là, je vais pas peut-être faire Saint-Louis, je vais rattraper, je vais me mettre à Anaheim 2. Comme ça, à chaque fois, je ferai la course du week-end. Et comme ça, je vous la poste, genre le lundi, un truc comme ça. Comme ça, en gros, vous avez la course le dimanche et le lundi, vous avez la course de moi, tu vois, sur Supercross The Game 2. Du coup, voilà, donc là, on se retrouve, on va tester Anaheim 2 2020 qui a été fait par Edel. Donc, on va voir ce que ça donne. Malheureusement, je crois que le tracé, j'ai regardé, c'est exactement le même. Mais par contre, le circuit, bah, du coup, vu qu'on peut pas trop boucher, on peut pas trop. Enfin, on peut même pas du tout mettre d'accessoires, mettre de camions, mettre de décorations, etc. Bah, c'est vrai que du coup, ça fait un peu vide. Mais on va tester, on va tester, on va voir ce que ça donne. Du coup, bah écoutez, on va peut-être changer de moto au pire. On va changer de moto. On va faire. Bon, on va prendre une Kawa, tiens. Allez, on va prendre une Kawa. Alors attendez, elle est où? Elle est là, voilà, parfait. On va prendre ça. Et puis du coup, on va faire ça. Normalement, si je me suis pas loupé. Option de course, je l'ai mis juste en one shot et je l'ai mis en cours parfait. Et c'est parfait, tout est réglé, c'est magnifique. En tout cas, les potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Hein. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, les potes. Voilà, c'est vrai que du coup, on reprend bah, la vidéo là. Je vous avoue que cette chaîne YouTube, je l'avais fait en secondaire et j'avais pas trop vraiment mis beaucoup d'efforts dedans. J'avais mis plus sur ma première chaîne, d'ailleurs, qui est bientôt 35 000 abonnés. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai hâte parce qu'en plus, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui aiment bien MX Simulator. Je suis en train de m'entraîner sur MX Simulator, d'ailleurs il y aura une vidéo dans pas longtemps. Ça fait en gros 3 jours que je l'ai. Et j'arrive à faire quelques circuits sans tomber, à faire des sauts, etc. Du coup, je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu mes débuts sur MX Simulator. Et pourquoi pas après faire des lives sur YouTube, tu vois. Vous faire des petits lives, etc. Enfin bref, vous voyez le délire. Du coup, on va se faire ça tranquillement. Attendez, hop. On va mettre du son quand même parce que depuis tout à l'heure vous avez pas de son, c'est un peu moche. Allez, on va tester du coup Anaheim 2020. On a pris la petite Kawa, par contre ça a pas marché ma tenue. Bon, c'est pas grave. Alors, on va faire avec la petite tenue motoconcept. Bah, du coup, ouais, vu que j'ai pas fait les chronos, je vais me faire serrer la gueule comme je sais pas quoi. Bon, du coup, on roule quand même sur la piste d'Anaheim en avant-première, les potes. On va voir ce que ça va donner. En plus, j'ai pris l'habitude là de jouer à MX Simulator, donc ça va me faire bizarre. Bon, le départ ça va. Hein. Accélère, accélère, accélère. Freinage. Ah, ça va, ça se passe bien. Ok, donc là je pense que c'est trip direct, mais j'ai pas pu le faire. Là c'est quoi là? Ah oui, là c'est double double. Ouais, je sais pas quoi faire. En fait, je sais pas si le. On verra tout à l'heure. On va essayer de faire de mieux en mieux. La triple. Et là, le trip, ça doit se faire. Oh, c'est quoi ce. Ah ouais, mais. Il est chaud le circuit en vrai. La gros trip. Après, il y a une série de hoops après trip normalement. Mais en vrai, genre, faire la série de hoops après enchaîner sur un putain de trip de ouf, ça va faire bizarre. Là. Ah non, là, c'est juste un double, non? C'est un gros trip là? C'est con ça par contre ce que je viens de faire. Ah ok, ça passe bien. Ça passe bien. En tout cas, je sais pas sur qui vous avez voté pour pour la course de ce week-end. En vrai, moi, en vrai, j'ai mis Barcia vu qu'il a gagné Anaheim 1 et je vous avoue que même la course dernière à Saint-Louis, il était quand même chaud. Attends, j'ai essayé de faire du coup. Ouais, non, trip, c'est pas possible. Je pense que c'est trip, double, trip. Et du coup, je me suis dit, franchement, Barcel a d'être quand même assez bon, bah, assez bon là en ce moment. Du coup, j'ai mis Barcia, Roxanne et Cooper Webb. Du coup, je pense que ça va faire ça. Et en 2,50, malheureusement, je pense pas que Dylan Ferrandis va gagner. Je vous avoue qu'en ce moment, les départs et lui, ça fait deux, tu vois. Et du coup, j'ai mis Cooper Webb, enfin, j'ai mis Cooper. Après, j'ai mis Ferrandis deuxième et Fortner troisième. Je pense que ça va faire un bail comme ça. Je sais pas ce que vous mettrez. Mais mes petits pronostics sur le Big USA, c'est ça. Et là, du coup, ça fait juste double et single.
pas je saute trop loin. Et là, hop. En vrai, ça ressemble pas mal, hein. Mais après, c'est vrai que du coup, on a des boss qu'on n'a pas, etc. dans le jeu. Donc, c'est un peu compliqué de faire à l'identique, tu vois. Mais là, par contre, là, faudrait que je prenne à fond l'extérieur. Ah, si, trip, ça passe. Trip, trip, trip. Trip, trip et single. Je sais pas s'ils vont faire ça en vrai ce week-end. Là par contre j'ai pas l'impression que le trip puisse se passer le dernier trip. Là c'est trip normal. Encore un trip. Bon là, là en vrai la grande série là ça va faire 3 trips à la suite. Ça va être énorme. En vrai je pense qu'il va être assez rapide le circuit demain. Enfin demain ce week-end du coup. Ouais non c'est pas possible. Ça va être double single je pense. Après je vous avoue j'ai regardé à quoi il ressemble le terrain mais bon la course elle n'est pas encore passée donc du coup on voit pas trop comment il est le terrain de circuit. Mais en vrai il ressemble parce que j'ai regardé là. Bien sûr. J'ai regardé du coup quand même l'image et la vidéo du circuit en 3D tu vois. Et c'est exactement la même chose. Là j'aurais dû prendre extérieur pour essayer d'essayer de faire le trip mais... En vrai il va être hyper rapide. Il n'y a que des gros trips. Surtout la grande ligne droite là. À part si je me loupe tu vois mais... Celle-là elle est rapide. En tout cas dans l'espace des commentaires les potes n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez du coup de cette petite série voilà tranquillement pour tester les circuits officiels 2020. Et bien sûr n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous tente du coup les vidéos MX Simulator. Voilà. C'est vrai que du coup c'est un extrême. Enfin c'est un putain de bon jeu. Et c'est vrai que du coup bah grâce à MXWay avec MX Crank, etc. Bah je pourrais faire pas mal de vidéos tu vois. Des petits condensés de live. Ça pourrait être plutôt cool. Bon bah du coup voilà les potes, on a testé le circuit Anaheim 2 et puis du coup bah j'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère que ce week-end du coup ça va bien se passer pour Ferrandis etc. J'aimerais bien une petite victoire de Ferrandis hein. Mais bon on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis voilà moi je vous dis à la prochaine les potes. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et bien sûr prenez soin de vous, allez ciao les potes.